À la recherche d'une rime riche, place Saint-Sulpice, je regardais tant de gens qui passent et tant de chiens qui Madame Alice, chaque matin, se lève pour faire uriner son chien. Madame Alice a l'air hautain, mais son chien pisse et ça lui fait du bien. Monsieur Eugène, chaque matin, se lève pour faire uriner le sien. Monsieur Eugène a du chagrin, mais son chien pisse et ne remarque rien. Ainsi commence très banalement une journée comme on en fait souvent sur une place à Saint-Sulpice où les gens passent, où les chiens pissent. Madame Alice joue de la fesse à chaque fois qu'elle croise un monsieur. Son chien Ulysse, tenu en laisse, doit contrôler ses instincts amoureux. Monsieur Eugène masque sa peine et n'oserait jamais lever les yeux. Et c'est sa chienne qui le promène dans la rengaine des matins brumeux. Ainsi s'avance très banalement une journée qu'on en fait tout le temps sur cette place à Saint-Sulpice où les gens passent, où les gens font comme vous et moi. Madame Alice, seule sur son banc, joue de la cuisse en observant Eugène. Avec malice vers l'autre banc, elle lâche Ulysse qui n'en croit pas sa veine. Monsieur Eugène, tout rougissant, essaye en vain d'arrêter les toutous. Madame Alice dit en rêvant, les séparer serait un geste fou. Ainsi s'achève très fougueusement une journée comme on en rêve tant sur cette place à Saint-Sulpice où les gens passent, où les chiens font ce qu'ils ont à faire. Madame Alice, chaque matin, avec Eugène qui la suit de loin, à Saint-Sulpice, d'un air hautain, joue de la fesse et fait pisser.